Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter certains produits et je voudrais que vous preniez le temps de les observer. Et surtout, je vais parler du mode d'utilisation. OK? Donc, en commentaire, vous pouvez poser votre problème. Et si j'ai la solution, donc si je vends un produit qui peut résoudre votre problème, je vous en parlerai. Si je ne vends pas un produit, bien sûr, dans les commentaires, on vous dira. Donc, la plupart du temps, les personnes ne savent pas que le problème spirituel peut être résolu avec un produit physique. Physique, oui, vous me connaissez. Je suis la première personne en ligne qui a commencé à parler du sel. Je suis sûre que de toute votre vie, personne ne vous a parlé du sel. J'étais la première personne. Et même si vous avez suivi ailleurs, c'était moi qui avais commencé. La personne a pris chez moi. Bon. Donc, je vais commencer par le sel main percée. Je viens déjà vous rappeler que un produit spirituel, bon, quand on a physique qui traite des problèmes spirituels, peut avoir plusieurs directions. Ça dépend de comment on charge la chose. Je peux prendre le couteau. Avec le couteau, je découpe les oignons. J'ai dit, ce couteau, c'est pour couper les oignons. Je peux prendre un couteau. Avec ça, je coupe l'ail. Je peux prendre un couteau. Avec ça, je découpe la viande. Je peux prendre un couteau. Avec ce couteau, je viens tailler les ongles de quelqu'un. C'est vrai que c'est un peu fou, mais bon. Je peux prendre un couteau. Avec ça, je viens trancher la tête de la poule. Je peux prendre un couteau. Je poignarde une personne. Et l'être humain va se dire, oh, comment tu poignardes quelqu'un, t'as commis un crime. J'ai juste tourné l'utilisation, ok? L'utilisation de la chose vers un objectif. Donc, quand je travaille sur mes produits, je vous dis souvent, quand vous commencez à m'écouter, prenez le sel de cuisine, ok? Prends le sel qu'il y a chez toi, là, commence avec. Ton sel, tu vas le charger toi-même avec ta propre force. Moi, quand je fabrique mes produits, je prends du temps, je médite dessus. Je les charge dans la direction que mes guides m'ont dit que ça, c'est pour faire ça. Ça, c'est pour faire ça. Ça, c'est pour faire l'autre ci. OK? Donc, quand vous prenez, je ne vais pas vous mentir, j'ai commencé mon ministère avec le sel. Et c'est quand vous allez entrer dans mes magasins, d'ici 3 à 4 semaines, vous aurez tellement de sel partout, partout. Peut-être qu'on va appeler ça que le magasin du sel. OK? Donc, je vais vous présenter quelques sels aujourd'hui avec d'autres produits, bien sûr. Donc, on a le sel main percée. Le sel main percée. Ce sel a été conçu. Déjà, quand vous l'ouvrez, ça a une odeur. Si tu essaies de voir ce que j'ai mis dedans, même en sentant, c'est difficile de savoir. Donc, le sel main percée a été conçu parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes, l'argent est toujours bizarre sur vous. Ok, je vais te payer demain. Demain, la personne dit que, oh, ma grand-mère est malade. La tante de la cousine de ma soeur a pris mon argent, elle ne m'a pas remis. En venant chez toi, oui, le moustique a cogné la moto. La moto est tombée. Du coup, il y avait l'embouteillage, on ne pouvait pas. Il y a tous les faux trucs. Donc, le but de ce sel, ce n'est pas de faire autre chose. Ce n'est pas pour le déblocage. Ce sel doit être utilisé sur tes mains. Tu frottes, tu parles. J'enlève tout syndrome de main percée. Comme je pense à mes mains picotent déjà, comme j'ai la main sur moi. Ce n'est que du sel, mais je l'ai chargé contre les mains percées. Vous allez voir qu'il y a un peu d'huile dedans, c'est un peu huileux. Toutes mes mains sentent déjà. J'ai seulement pris une pincée, j'ai pris devant vous, une pincée. Ce sel, tu peux le mettre à côté. Oh my God, ça picote. Vous me le mettez à côté de l'évier. Oh, la sensation est. Vous mettez à côté de l'évier, là où vous prenez le savon pour laver les mains. Et en prenant, quand vous usez mes produits, je vous en prie, mettez une petite méditation dessus. Faites un peu un petit tchakak là, tu vois, aux gens. Partout où mon argent se trouve, j'appelle cet argent. Toute personne qui me doit, il ne veut pas me rembourser. Je vous assure que je sens les picotements d'âme sur ma langue. J'ai usé le sel, mes mains picotent, ma langue picote et mes pieds aussi picotent. Donc j'active mon argent. J'appelle mon argent. Voilà, je peux essuyer comme ça là et puis je laisse. Vous savez ce que le sel fait. OK? Donc, dans ce produit, je crois que j'ai mis un peu de sucre. Soit toi aussi, tu peux le rajouter. Tu prends le sucre, tu rajoutes dans le tien et tu fais. Parce que généralement, le traitement sucre-sel, c'est super. C'est ndolé. Donc, si tu déposes là où tu te laves les mains, ça fait picoter ma langue. Donc, une pincée, c'est assez. Une pincée matin, une pincée soir. C'est bon. Ça, c'est pour le sel. Main percée. Et le sel main percée fait ce que ça dit. Main percée. Main percée. Main percée. Rien d'autre à ajouter.
déposez ce sel là où vous lavez les mains, ou au chevet du lit. Vous avez vu, je me suis frotté les mains avec. Là, c'est bon, hein, j'ai plus besoin de mettre autre chose. Ou encore, je peux faire ça et puis je mets le savon, je me lave les mains. En se lavant les mains, pour aussi prononcer les paroles, genre, je me libère de toute malédiction. N'oubliez pas qu'on salue les gens dans la journée. On touche beaucoup de choses dans la journée. Je me libère de toute malédiction, tout mauvais sort, tout ce qu'il y a sur moi qui n'est pas vraiment... Je me libère. Comme l'eau s'y coule comme ça, ça coule avec ma malchance. Mes mains picotent toujours. Je me rappelle le jour où j'ai créé ce produit. Je suis arrivée au bureau comme ça. Après, c'est pour ça que j'écris jamais mes choses. Et un temps de mouvement, Dieu dit, mets ça, tac, 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 je mets. J'ai dit à mes employés, ils ont testé. Malheureusement, c'était sur moi qu'on a testé le premier. J'ai commencé à le donner Mimi Fran à tout le monde. Après ça, on dit, oh, mais même picote. Je crois que le soir de ce jour, un de mes employés a reçu l'argent, quelque chose comme ça. Donc, il y avait une là, c'est même picoté particulièrement. Voilà. Donc, celle même percée, ça dit ce que c'est. Oh, j'ai les mains percées. Tu fais et tu parles. Et beaucoup d'entre vous, vos mains sont percées parce que vous, tout le temps, tu te dis, oh, mes mains sont percées. Oh, mes mains sont percées. Et croyez-moi, il y a des esprits que vous avez sur vous qui s'enlèvent avec des produits. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je commence moi-même à utiliser. Quand j'ai vu à quelle rapidité ça résolvait mes problèmes, j'ai compris que j'étais dans le ndem depuis. Le ndem, ça veut dire que j'étais dans le faux depuis. Bon. Sel, mains percées. Voici un autre sel. Le sel sirène. Je sais que beaucoup de personnes disent, oh, mais c'est sirène, j'ai rien à voir avec ça. Beaucoup d'entre nous, nous avons des antécédents avec l'eau. Beaucoup d'entre nous. Oh, je vous assure, chaque sel a son odeur. Le sel sirène, il y en a en deux qualités. La même couleur bleue, mais il y en a en bleu fin, presque en poudre. Et en bleu gros grain. Bleu gros grain, vous pouvez l'utiliser à plusieurs buts. Bleu gros grain, on peut le déposer à la maison avec des coquillages ou des courries. Ça s'appelle sel d'atterrissage. Parce que votre maison, je sais que vous le savez, il y en a parmi vous souvent les trucs bagages sur votre toit la nuit. Après, ça tient à tassement. Après, j'entends. Il y a des choses qui atterrissent chez vous, que vous le voulez ou pas. OK? Je vais faire un quiz. Donc, celui qui sait à quoi le sel même percé, à quoi ça sert, qu'il écrive en commentaire, je vais sélectionner une personne qui recevra son sel gratuitement. Je crois qu'on va faire ça. Même ceux qui regardent la vidéo après, on sélectionnera. Ce sera une sorte de tombola. Vous commentez et puis on voit. Donc, le sel sirène peut être utilisé. Le gros grain. Comme celle d'atterrissage, c'est-à-dire, tu mets dans un plateau très beau. Ceux qui sont à Abidjan, il y a de très beaux vases que j'ai déposés à la boutique à Abidjan. Donc, ils ont été sélectionnés par ma personne. Vous déposez avec quelques coquilles ou des coquillages. Parfois, quand vous allez à la plage, ramassez des coquillages pour rentrer à la maison. Il y a des choses comme le sel, tout ce qui a trait avec l'eau. Aquarium, sel, coquillage, coquille, tout ça signifie l'abondance. Vous apportez ça à la maison, vous mettez votre sel et vous déposez les coquilles dessus. Quand vous déposez, c'est une sorte, comme ça se dit, sel d'atterrissage. C'est pour permettre à vos guides d'avoir accès à votre maison. C'est pour apporter. Vous n'avez pas remarqué que les gens riches, très souvent, ils ont l'eau chez eux. Très souvent. Soit une petite fontaine, soit un aquarium. Donc, ce sel, le sel d'atterrissage, on l'a en couleur bleue ou en couleur jaune. Sel d'atterrissage. Vous déposez, ça fait maximum un mois, vous enlevez. Premièrement, ce sel va absorber les mauvaises énergies de la maison. Absorber toute mauvaise énergie. Deuxièmement, ça va permettre d'attirer les bonnes énergies chez vous. Donc, le sel sirène, il a les grains fins. Vous voyez? J'aime tellement le bleu, je ne sais pas pourquoi. Les femmes de l'eau ont un truc avec le bleu. Like, you know. Il y a quelque chose. Ce sel sirène s'utilise très souvent avec la crème Illumine Ma Vie. Donc, on prend un peu de ce sel. On met soit dans l'eau, on met les pieds dedans. Tu peux être en train de
regarder la télé ou bien une de mes vidéos. Tu mets les pieds dans l'eau salée et tu médites. J'enlève. Vous savez que nos pieds portent beaucoup de mauvaises choses. On entre dans des endroits où on a parlé les mauvaises choses. On se pointe dans des voitures, on entre chez les gens, on passe dans des endroits, on traverse les choses qu'on a mises en route. C'est comme ça qu'on accumule les blocages. Vous-même, vous ne savez pas, vous accumulez les blocages. Et comme vous êtes tellement les Thomasis, ne travaillez pas sur vous, hein. Ça, c'est le seul que Dieu a donné. Hein? Avant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que les Kauris, c'est pour les sorciers. Vous savez comment les Kauris sont? Vous savez d'où viennent les Kauris? Dites-moi un peu, s'il vous plaît. Donnez-moi un commentaire d'où viennent les Kauris. Ça sort de l'eau. Comment on pêche le poisson là? On pêche les Kauris. Parfois, tu arrives sur la plage, tu marches, tu vois les Kauris au sol. Ce n'est pas pour. Il n'y a pas un sorcier dans l'eau qui fabrique les Kauris. Juste qu'il dit que ça, c'est pour les sorciers. C'est comme le coquillage. Ça sort de l'eau. Donc enlevez de votre tête que oh, ça c'est pour les sorciers. Bon, ça c'est une sorcière. Et je vous ai dit, rappelez-vous, tout ce qui a trait avec l'eau, c'est l'abondance. Tout ce qui a trait avec l'eau, c'est la richesse. L'abondance. La richesse. Répétez, richesse, abondance, argent, opulence. Ce que vous ne connaissez pas va vous tuer ou ça va vous rendre pauvre. On vous a montré que prends le sel, tu mets dans l'enduit, tu manges. Pourquoi quand tu mets le sel dans l'enduit, c'est bon? Si le sel déjà peut seulement animer ton palais, combien de fois sur ta propre vie? Ce sont des questions que j'étais très sceptique avant sur la spiritualité, sur tous les trucs comme ça là. Après, j'ai commencé à m'éduquer matin un peu. Si je dois prendre le romarin. Le thym que je prends pour faire le haricot avec, j'aime faire le haricot avec le thym. Si je peux prendre une feuille avec le basilic, je mets dans l'eau, je ne peux pas, c'est bon. Après, on me dit que prends ça, tu mets dans l'eau, tu fais bouillir. Au lieu de boire, lave-toi avec. Où est la sorcellerie dans ça? Où est la sorcellerie dedans? C'est comme ça que vous allez vous être bloqué. Parce que la télé va vous montrer comment cuisiner avec et manger, ça sort. Mais il ne va pas montrer comment prendre ça, faire des potions avec. Quand on te voit derrière, tu fais un truc, deux, trois, quatre. Après, tu mets même deux courriers dans ton bain pour te laver. Hé, sorcière, sorcière. Non. Non. Hé, richesse, argent, opulence, abondance. Prononcez ça, prononcez, votre bouche va s'habituer. Donc, ce sel, on met un peu dans l'eau. On plonge les pieds dedans. On médite. On médite. On médite. J'enlève tout ce qui est mauvais sur moi. J'enlève. Pour les femmes qui savent déjà qui elles sont, si elles savent qu'elles sont spirituelles et sirènes, j'active la puissance de ma queue. Je sais que ça dérange certaines personnes parmi vous, mais m'en fous. J'active la puissance de ma queue. Oh, ça veut dire quoi? Oh. On vous bloque par les pieds. Il y a des choses qui sont entrées dans votre corps par les pieds. Le sel sirène est disponible. Douala, on poste partout. C'est à Abidjan, c'est au Gabon, c'est à Douala, c'est à Yaoundé. Ce sel encore, tu peux le mettre dans l'eau. Ça devient bleu. Si tu as une baignoire, tu mets dans l'eau. Tu mets un peu de miel, un peu de lait si tu veux. Puis on a beaucoup concentré le bleu, donc c'est très bleu. Quand tu mets ça, tu plonges dedans. Les femmes sirènes savent, les femmes sirènes savent, les femmes sirènes savent. Vous versez un peu de fleurs. Que le bleu ressorte. Un peu de fleurs. Vous mettez quelques kauris avec ce sel. Parce qu'en faisant ça, j'ai vraiment parlé. Vous allumez une bougie. Vous prenez la bougie. Vous parlez par la puissance du soleil, du feu, de l'Esprit Saint, l'énergie positive de l'eau. Vous versez quelques gouttes et vous déposez la bougie à côté de la baignoire. Ou bien vous mettez dans un seau, vous vous lavez avec. J'active ma puissance. Le sel sirène. Quelque part comme ça me plaît jusqu'à. Ah, au Punaga. Voilà. Là, c'est le sel sirène. Donc, je vous ai dit quel sel? Sel quoi et sel quoi? Le sel sirène active votre puissance. Ça active vos dons. Ça active votre argent. Et ça surtout active l'attirance. Votre attirance. Il y a les mots que ça ne va. Imagine un gars te drague, hein, il vient chez toi. Première nuit, il en a dans ta douche. Il voit celle sirène.
celle même percée, celle de purification. Il dit, hey, mamie, c'est ton monde. C'est là-bas que tu te sens. Il y en a parmi vous, c'est là-bas que vous vous sentez à l'aise, vous le savez. Et surtout, ça restaure ton argent. C'est fou quand même parce que avant que je commence la spiritualité, j'étais un peu sceptique par rapport aux choses ici. Si ça donne l'argent, ça veut dire que c'est l'argent du diable. Parce qu'on t'a fait croire que tu es censé souffrir. Et si on te montre quelque chose qui va te permettre d'avoir l'argent, c'est que ce n'est pas normal. Non, tu es censé, être dur. C'est censé être dur. Tu fais le visage, tu n'obtiens pas. Tu vends tes produits, on n'achète pas. Tu fais tes vidéos, personne ne regarde. On t'a convaincu que tu es censé souffrir. Donc quand tu vois un truc, tu prends le sel, tu te laves avec. Tes choses marchent. Hey. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Commencez à réclamer, c'est votre droit. Donc je continue. Voici la crème illumine ma vie. Oh, oh, l'odeur de la crème, si, hein, c'est le... J'aime trop, quoi. Donc quand tu finis d'utiliser le sel, maman, les produits, quand même mes produits, moi, tout mon corps pique. Quand tu finis d'utiliser le sel, quand tu t'es lavé, et quand tu es dans le bain, tu dis comme l'eau si touche mon corps, s'enlève toutes les impuretés, tout ce qui volait ma puissance. Après, tu prends la crème illumine ma vie. Tu frottes sur ton corps en parlant à ton corps. Mes produits, vous voyez qu'on est en train de tendre vers le soin corporel. Quand tu penses te faire la pédicure, on verse le sel dans l'eau. On n'a pas chargé ce sel. On n'a pas chargé ce sel. Tout, c'est l'intention qu'on a mis sur la chose. Quand tu prends l'huile de rouen avec, on n'a pas chargé. Donc, tu prends ça. Okay? Moi, j'aime beaucoup faire ça quand je mets sur mon corps. C'est ça comme ça. Ça, c'est très bien pour les mains. Ça hydrate à fond les mains et les pieds. Avant que je ne crée ces produits de sirène, si je restais mes pieds dérangés toujours. Je reste mes pieds picotent, ça chauffe. Je sens comme si j'ai soif aux pieds. I'm not joking. Je sens comme si j'ai soif aux pieds. Un soir, on me dit, prends. Fait. Après, je finis de mettre mes pieds dans l'eau. On me dit maintenant, prends la crème, tu commences, je prends. On me dit, mets ça, je mets. Après, quand je mets la crème sur moi, oh Seigneur. C'est comme si ça active tes cellules. Ça dit ce que ça dit. Hein? Illumine ma vie. Cette crème s'appelle Illumine ma vie. Ça dit ce que... Mes produits, hein? Les noms de mes produits viennent toujours... de l'esprit qui m'a dit que fais ça. Il donne le nom de ça. Illumine ma vie. S'il y avait n'importe quel voile sur mon visage, j'enlève. La crème, c'est là. Aïe, Seigneur. Tu médites, s'il y a n'importe quel voile. Si c'est le voile de laideur sur moi, tu mets, après, tu mets sur tes pieds, tu commences au genou. Tu descends, tu mets en parlant. Je restaure mon onction. Je vais voyager dans beaucoup de pays. Tout pays où on m'avait refusé le visa, je reçois. Tout papier que j'ai fait, on a vu ma photo, on m'a refusé. Je reçois. Je reçois. Tu fais comme ça. Ah, tu as reçu ta décision finale. Tu vas bientôt avoir plus d'argent. Ouh, l'argent arrive. Je sais que depuis un an que tu me suis là, il achète ses produits, il ne blague pas avec. Il ne blague pas. Je vous ai dit que vos choses sont censées fonctionner. Pas la fait que ça fonctionne, après ça ne fonctionne plus. On te voit aujourd'hui, tu n'es plus... Que c'est comment, non? Ça fait 6 mois, tu ne brilles plus. Quoi? Quand tu commences le travail spirituel, c'est comme ça. Comme ça. Je créerai toujours les produits. Je vais tout augmenter les produits chaque jour. Mes produits vont augmenter. Je vais seulement augmenter. Tu me mets sur ton corps comme ça. Ça peut être un soir où tu viens de rentrer. Tu as une longue journée. Tu prends d'abord le sel rouge. Tu te fais une purification avec l'eau salée là. Après, tu prends le bleu. Tu te plonges dedans. Après, tu prends la crème illumine ma vie. Mettez beaucoup des genoux jusqu'en bas des pieds. Si tu as d'abord plongé tes pieds dans l'eau,
Après, tu oignes ça en parlant. Je restaure mon attirance. Je restaure. Je restaure. Mes pieds vont m'amener dans des endroits luxueux. Tu parles. Après, tu te couches. Tu dors. Ne finis pas de te oindre comme ça pour sortir. Que, oh, je vais pas voir mon gars. Et on va faire l'amour ce soir. Non, 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 non. Tu as commencé quelque chose. Tu peux prendre un peu de sel sirène, si là, tu verses au bord de ton lit. Tu te couches, tu dors. Ce que tu as demandé là, on va te montrer ça dans le rêve. Ce que tu as demandé là, on va te montrer. Comprenez que vous êtes au centre de votre vie. Vous êtes au centre de votre spiritualité. Et on vous attaque parce que vous-même, vous ne vous défendez pas. Vous ne mettez pas de barrière de protection sur vous. Vous-même, vous ne parlez pas sur vous. Une femme ici est capable de partir parler sur un gars parce qu'elle prie sur lui. Mais sur elle-même là, elle ne peut pas. Ça veut dire que l'amour de toi là n'y est pas. Aime-toi chérie. Voilà. Prochain produit, on a le sel maison hanté. À part le sel normal que vous versez dans votre maison, dans votre business, je sais qu'il y en a parmi vous que, oh, mon gars va venir chez moi, il va voir qu'il verse le sel à la maison. Ok, chérie, continue. Il y a les hommes qui portent les mauvais esprits. Ils viennent chez toi, là. Comme ils couchent avec toi, là, comme ça, mamie, c'est fini, ton argent part. Tu verses ça à la limite de la maison. Si tu es dans une barrière, tu verses dans les coins de la barrière. Si tu vis chez quelqu'un, tu es seulement dans la chambre. Mets dans ta chambre, protège ton territoire. C'est à n'importe quel mauvais esprit ici que ça sorte. Et demandez ça avec les bougies d'exorcisme. Donc, il y a des bougies que j'ai bénies spécialement pour sortir les mauvais esprits de votre maison. Si vous avez acheté les bougies Reine Lumière, il y a des bougies... C'est dans des gros bocaux comme ça. Les bougies Reine Lumière. Je crois que c'est 25 ou 30 000. 25 000 au Cameroun, 30 000 en Côte d'Ivoire, je pense. Vous prenez cette bougie-là, vous allumez. Peut-être une ou deux heures de temps. Dorcas connaît. Voilà, Dorcas qui dit que la crème illumine ma vie, c'est la magie. Je crois que tu es parmi les premières personnes à prendre ça. Ça fait au moins un mois et demi comme ça. Tu verses le sel en parlant. C'est n'importe quel mauvais esprit que ça sorte. Oui, je chasse. Deuxième chose, tu prends la bougie, tu allumes. S'il y a n'importe quelle ténèbre dans ma pièce, quand on allume une bougie, je sais que c'est un acte physique anodin. Hein? Ah, c'est seulement la bougie, non. Mais le fait d'allumer une bougie avec une intention, ça conditionne l'atmosphère de ta pièce. Je dis que quoi? Quand vous activez l'eau, vous activez le feu, la terre, tu fais une libation, tu prends l'eau et la terre, tu verses en parlant, tu ouvres un portail énergétique. Quand tu prends tu allumes la bougie, tac, tu déposes. En mettant le feu, tu allumes un portail énergétique. Tu parles sur l'eau, en versant sur toi. Normalement, on devrait nous dire que chaque fois qu'on se lave, on doit parler. Parce que tu actives le pouvoir de l'eau sur toi. Non seulement ça enlève la saleté sur toi, ça te rafraîchit. Mais tu as d'autres puissances que tu peux activer. Donc ça, c'est pour le sel maison hantée. Voilà la poudre Libère-moi. La poudre si. Je vous en prie, mesdames. Problème de couche de nuit. Mari de nuit. Esprit de rejet. Tu mets un peu dans ta poudre pour te oindre. Lèche beaucoup ça avec l'huile d'olive. Beaucoup d'entre vous, dans vos ventres, il y a beaucoup la peur, les dépôts bizarres ici dans vos ventres. Cette poudre aide énormément. Et tu fais le bain de fumée avec. Vous connaissez le bain de fumée, non? Cette poudre aussi, tu prends le charbon ardent, tu déposes, tu mets, celle qui vient souvent en traitement chez moi, c'est la poudre que je dis généralement. Tu mets ton charbon ardent, tu prends un grand drap, tu déposes, tu couvres sur toi. Tu mets le charbon devant toi. Tu prends la poudre si tu verses un peu dessus. Tu te couvres. Faites ça au moins une fois par semaine. La fumée qui monte là. C'est à n'importe quel envoûtement dont je suis victime. Tout mauvais esprit qui est caché dans mon corps. Je commande que ça sorte. Très souvent, tu vas voir qu'il y a la glaire qui va sortir. Tu vas tousser. Tu vas tousser. Merci beaucoup. Bain de fumée. Bain de fumigation. Donc, tu fais ça. Tu aspires en méditant. Si tu as envie de tousser ou de vomir, fais-le. J'ai un nouveau produit que j'ai créé récemment. Ça s'appelle le sel noir.
selon Reine Lumière, ok? Mes produits sont toujours selon moi. Quand je préparais les produits pour mettre sur ça, j'ai fait un feu. Et là-dedans, j'ai mis des produits, je parlais. J'ai fait venir mes employés. Je leur disais que venez ici là, vous qui êtes têtu là. Ce sont les esprits qui dérangent vos employés en passant. J'ai fait venir la jeune fille. Elle est arrivée, elle était à 20 mètres de moi. Dès que son nez a senti, elle a éternué au moins 50 fois, si ce n'est 70 fois. Hachi, 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 Hachi. L'esprit me dit, dis-lui de venir s'asseoir à côté de toi. Elle vient, elle s'assoit. Tes fesses n'ont pas fait une minute sur la chaise. Elle a commencé à tousser, vomir. Mes employés qui étaient avec moi savent, je ne manque pas, moi je n'ai pas besoin de mentir, je ne manque pas pour acheter mes produits. Elle a commencé à tousser, vomir, 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 le ventre, le ventre. J'ai commencé à lui faire une séance d'exorcisme. Elle voulait me croquer. L'esprit qui était en elle là, elle voulait me croquer. Parfois, vous restez ça. Hein? Vous avez les démons dans votre corps. Vous êtes ambulant. Dès que tu trouves le travail quelque part, deux jours après, tu tombes malade, on te chasse. Tu arrives quelque part, on te parle. Tu fais comme si tu comprends. Hein? Après, tu oublies. La fumigation va vous aider. Maman, elle a commencé à tousser. Tousser, vomir, vomir. Après, t'es fatigué. Ne blaguez pas, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la poudre Libère-moi. Ça se lèche, on met dans l'huile pour se oindre. Tu peux aussi même mettre dans l'eau pour te laver. Poudre Libère-moi. Et lécher, surtout. C'est comme le cube magie sans sel. C'est pas amer, c'est comme le cube magie, mais sans sel. Voilà. Donc là, j'ai l'huile de blendage. Donnez-moi l'utilisation de l'huile de blendage, s'il vous plaît. C'est vous qui allez me donner. Donnez-moi l'utilisation de l'huile de blendage. On met ici. Sur le cou. Les maux de tête, les gens qui sont avec des esprits sur vous. Il y a parfois des esprits, donc, je sais pas comment dire. Tu peux ressentir ça, tu as un masque sur le visage. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup les cheveux partent, la teigne, les faux trucs sur ta tête là. Tu ne comprends pas pourquoi. Et les problèmes, les gens qui ont des problèmes pour étudier. Quand tu es là, tu étudies, tu apprends ta tête, c'est comme si ça dit, tu ne comprends pas. Tu prends, tu mets aussi sur derrière le cou. Les entités qui vous dérangent entrent beaucoup derrière ici, là. C'est ça qu'il y a beaucoup de Thomas et chrétiens qui me regardent. Elles parlent même de quoi là-bas? Ça ne me dérange pas. Chacun qui comprend dans son corps. Huile de blendage, c'est pour appliquer sur quelques parties du corps qui font mal. Voilà, quand tu as mal aussi quelque part, tu appliques ça. Avec le majeur, on met derrière le cou, le bas du ventre aussi. Oui, on met la moitié dans son lait de toilette. Voilà, tu as déjà tout dit, bénédiction divine. Les gens m'ont dit que ça fait pousser aussi les cheveux ici devant. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des chutes de cheveux. Et même les chutes de cheveux, c'est spirituel. Oh. Les boutons, c'est spirituel. J'ai des personnes qui avaient des boutons sur le visage. Elles ont mis de bendage, c'est parti. C'est parfois les voiles qu'on veut vous mettre. Voilà. Donc ça fait une barrière de protection. On a notre champion, donne-moi tout. Donne-moi tout. On doit sortir. Il n'y a pas un chanteur là qui peut me sortir un clip sur le donne-moi tout. Donne-moi tout se vaporise sur la langue. Ça restaure la puissance de votre langue. Tu peux mettre une à trois gouttes dans ton eau de bain. On a fait ça au moins, ça fait 25 ou 30 produits. L'huile de blendage soigne les douleurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà utilisé celle-ci. Donc, vous-même, c'est vous qui venez me manquer. Vous me dites que, hey, ça m'a soigné ça. Ça m'a soigné ça. Hein. Les douleurs dans le dos, tu mets l'huile de blendage dessus. Tu es bango bango avec moi. Le donne-moi tout. Comme ça dit, ça te donne tout. Ça te donne tout. Tu vas poser sur la langue. Tu mets un peu dans ton eau de bain. Tu peux mettre sur les mains. Tu parles. Tu mets sur le visage. Tu parles. Tu as ça dans ton porte-monnaie. Quand tu pars dans un endroit, tu dois rentrer dans un bureau pour parler. Parfois, tu te sens bizarre, fatigué. Va à la douche rapidement. Prends un peu d'eau. Tu mets dans ta main, tu mets un peu d'eau, moi, tout ça. Tu te rafraîchis un peu le visage.
Tu parles, tu mets un peu sur ta langue. Comme j'entre dans le bureau aussi, quand je vais parler, ce que je dis, qu'on me donne la faveur. Et tu dis que ça a bon goût, hein? Tu as la goût. Adeline Bird dit que c'est son produit préféré. Le donne-moi tout. Si tu as un problème, quand tu mets ça dans ton eau, l'eau ne sent pas très fort, mais ça, cette odeur. Tu mets avec un peu de sel, quelques gouttes de donne-moi tout, tu te laves avec en parlant. On le fait diamant petit parce que tu peux mettre dans le sac, ça t'accompagne là où tu vas. Ne négligez pas votre donne-moi tout, s'il vous plaît. Le donne-moi tout, il donne vraiment tout. Tu peux même faire tes prières, non? Tu prends un peu le donne-moi tout, tu mets une goutte sur ça, sur ton papier où tu écris tes vœux. Ou quand tu payes ta dîme, tu prends, tu mets dessus, tu parles. Ça, c'est le donne-moi tout. Le donne-moi tout, ouais. En fait, quand vous entendez le nom de mes produits, si vous êtes assez vigilant, vous allez voir que ça dit ce que c'est. Oui. Prochain produit, on a le sel. Chance rapide. Documentez-vous sur les couleurs. Le jaune diamant, c'est la prospérité. Il y a le jaune, il y a le violet. Prospérité, ouverture, abondance, la gaieté. Ça, c'est pour la chance. Le donne-moi tout m'a donné un chocolat qui ne veut plus partir. Tu veux qu'il parte, pourquoi? Donc, tu mets un peu de cette poudre, de ce sel dans l'eau. Tu parles et tu mets... Pardon. Donc, donne-moi tout. OK? Tu parles, tu te laves avec. Ça, c'est pour restaurer ta chance, ouvrir tes portes. On a sort de moi. Qui a utilisé le vrai sort de moi, là? Sort de moi. Donne-moi tout, sel arc-en-ciel avec le pipi du matin. C'est la chimamelu. Non, tu connais Florence. Tu es une abonnée. Donne-moi tout. Donc, donne-moi tout. Il y a aussi le sel arc-en-ciel. Oups. Voilà le sel arc-en-ciel, c'est là. Le sel qui a plusieurs couleurs, là. Donne-moi tout sel arc-en-ciel avec le premier pipi du matin. Donc, si tu viens d'arriver sur mes vidéos et tu te dis, oh my God, je n'ai pas l'argent pour acheter. Prends le donne-moi tout. Tu prends ton sel arc-en-ciel et tu mélanges avec ton premier pipi du matin. Tu vas voir, ça va te donner des ailes comme le Red Bull. Voilà. Qui a je sors de moi? Sors de moi. J'ai des témoins genre, ma soeur est venue chez moi, on tente de se préparer pour accompagner mon frère à l'aéroport parce qu'il avait demandé son visa, il partait. Donc quand ma soeur est arrivée, elle a dormi avec moi. Je me suis levée à minuit, j'ai vaporisé le sort de moi. Après, dans le sommeil, elle a commencé à se tordre. Hein? Elle s'est levée à 5 heures. Elle a dit qu'elle part. Qu'elle part de chez moi. Hein? Maman, pasteur, tu veux montrer que quoi? Je ne reviens plus. Elle est partie. Une autre encore a vaporisé ça. À la maison, après, aux environs de minuit. Elle dit que maman, les portes ont commencé à claquer. Comme si quelqu'un sortait, il partait. Sors de moi est très fort. Ne laissez pas ça à la portée des enfants, s'il vous plaît. Ça peut faire que quelqu'un perd la tête. Ta mère avait mal à la poitrine. Tu lui as donné un peu de blindage. Et au bout d'un moment, elle n'a plus eu mal. Oui. Pourquoi tu regardes ça, tu te sens un peu mal. Tu peux mettre lui de blindage sur ta poitrine. Même le sort de moi, tu mets un peu sur la poitrine. Et quand tu mets ça, tu ouvres un bon ça, tu aspires. C'est très fort, donc faites attention. Quand les gens qui travaillent sur les gens, si vous travaillez sur les malades, sors de moi si ça va beaucoup vous aider. Quelqu'un arrive avec un envoûtement, ça coupe l'envoûtement très vite. Tu vois, quand tu soignes quelqu'un, il commence à faire comme un fou, il va te gifler, il va taper tout le monde là. Tu prends ça. Dès que ça va, l'odeur de ça va passer à côté de lui, s'il est dans n'importe quel calebasse qu'on a enfermé, il va quitter la rue, il va revenir te voir. Voilà. Donc ça, c'est le sort de moi. Généralement, vous mettez dans les coins de la maison, vous gardez un peu, il y a des soirées où tu te sens très mal. Tu prends ça, tu mets un peu dans ton eau de bain, tu te laves avec. Ok, c'est très fort. L'odeur de ça là, ça peut tuer, ça peut réveiller un mort. Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hey!
Jesus is Lord. Et vous avez prévenu. Moi-même, je m'étais prévenu. En ce moment, tu peux mettre une goutte, quelques gouttes dans ta main et tu aspires. Tu humes ça. Ça te libère. Souvent, tu raisons ça, tu as mal à la tête, tu ne sais pas pourquoi. Tu te sens bizarre, j'ai des migraines. Prends ça, tu humes un peu. Prends ça, tu humes. Monsieur Xavier, il faut faire attention parce que ça, là, ça peut te. Bon, tu soignes les malades, ça peut t'aider pour les malades. Mais pour toi-même, ça peut faire rougir. Hein? C'est très fort. Ok. Donc, on va aller sur les kits. Je rappelle qu'on a aussi le sel arc-en-ciel, le sel 7 chakras. Vous pouvez aussi le prendre. Donc, à Abidjan, j'ai commencé à faire des grandes boîtes de sel, genre 1 litre de sel. Vous arrivez, vous déposez à la maison, vous savez que pour un mois et demi, deux mois, vous êtes bon, quoi. Voilà, vous prenez ça. 7 chakras, c'est bien parce que ça travaille sur tous les chakras en même temps. Voilà. Donc, on a le kit mari de nuit. Ça, c'est contre les maris de nuit. Les femmes qui ont des problèmes la nuit, vous dormez et on ne vous laisse pas là. Tu es la femme de quelqu'un alors que vous ne vous connaissez même pas. Kit mari de nuit. Il y a des produits très puissants dedans. Comme le sort de moi, s'il y a ça dedans. Tu verses ça dans ta chambre. Il y a le gel de déblocage. Il y a l'huile pour mari de nuit. Il y a le savon anti-sorcellerie. Il y a les encens. Ce kit aussi est très, très, très corsé. Kit mari de nuit. Voilà, les femmes qui ont les maris de nuit là. L'utilisation des kits normalement est disponible, c'est dans le kit. Pour entrer en possession des produits, je vous donne le numéro 237 693 50 22 66. Donc, nous sommes disponibles à Douala, à quoi? À côté de Bano Palace. Le magasin est à côté de Bano Palace. Ok? Et à Abidjan, nous sommes à Bellecôte, pas très loin du supermarché Bellecôte, en face de l'école primaire, le groupe scolaire Les Petites Abeilles. Le numéro d'Abidjan, c'est le 07 79 02 52 05. Voilà. Donc, je continue l'utilisation des produits. J'essaie de voir comment je vais connecter mon téléphone. Et toi, tu vas rester ici. Ok, donc je vous montre comment on utilise. Ça, c'est le kit de déblocage. Indication du sel arc-en-ciel, j'ai déjà dit. Sel arc-en-ciel en gros grain, vous déposez à la maison. Ça absorbe les mauvaises odeurs. Sel arc-en-ciel en petit grain, c'est pour se laver. Même le gros grain peut être utilisé pour se laver. Donc, on a le kit déblocage. Donc, tu viens de tomber sur la lecture de spiritualité. Tu n'as pas assez d'argent pour prendre les gros produits. Les kits, je les ai faits parce que là-dedans, j'ai mis tout. Donc, tout ce dont tu as besoin pour faire un petit travail de début. Kit déblocage. OK? On a le kit commerce. Je me rappelle récemment, j'ai une de mes amies et clientes qui est en France. Elle vend, elle les soigne aussi. Donc, elle donne des choses aux gens. Et ma reine, pour moi, le sel d'atterrissage avait les coris. Mon ex-belle-sœur est entrée chez elle. Elle est sortie à la seconde, elle n'est plus revenue. Elle est entrée chez toi ou bien chez elle-même? Précise-moi ton commentaire, pardon. Donc, le kit commerce, elle a pris le kit commerce et quelques jours après, elle me dit... Avant, on commandait ses produits seulement en France. Mais depuis qu'elle a pris le kit commerce, les produits viennent, les commandes viennent maintenant de tous les 5 continents. Elle est dépassée. Donc, pas qu'elle est dépassée, c'est pour ça que tu as pris le kit. Ça, c'est les gens qui ont le commerce en ligne, les gens qui soignent. Il y a des personnes. Ce n'est pas parce que tu soignes les gens que toi-même, tu n'as pas été assuré. Donc, soyez vraiment très vigilant là-dessus. Tu peux être quelqu'un que tu soignes les gens, mais tu es bloqué. J'avais travaillé sur une dame comme ça en 2021. Sa soeur en Belgique me dit vraiment, pardon, ma soeur doit venir du travail sur elle. Ça fait 11 ans qu'elle soigne les gens. Bloquée comme tout. Il demande parfois que toi, là, tu vas monter. Comme tu soignes les gens, toi, tu es bloqué là. Mamie, ça fonctionne comment? Tu vas leur donner quoi? Tu vas leur dire quoi? Donc, le kit commerce, ça aide à ouvrir d'autres horizons. Ça appelle les clients.
Et dans le kit, normalement, il y a tous les produits. Je mets toujours mes kits. Vous avez l'impression que c'est cher, mais je prends tous les produits un à un. Parce que je me suis rendu compte avant que quand je prends un produit, je donne à une personne, il part, il revient. J'ajoute encore, il part, il revient. J'ajoute encore, il part, il revient. Finalement, ça a pris 6 mois pour qu'il ait un traitement. Alors que si le premier mois, je donnais, OK, va faire le traitement de déblocage. Il part, il sait qu'il a dedans 25 produits. Il fait tout. C'est l'étape, je fais ça, ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, vous voyez un peu. C'est important pour vous de comprendre que quand tu prends un kit entier, ça résout rapidement ton problème. Il y a la sauge. Vous prenez, j'aime beaucoup l'odeur de la sauge. Donc, vous prenez la sauge, vous brûlez, vous passez un peu à la maison. Quand tu viens d'arriver le soir, tu prends la sauge, tu allumes, tu passes dans chaque pièce. J'enlève tout mauvais esprit de cette pièce. Et en faisant passer la chose, tu peux aussi prier. Tu fais les « Je vous salue Marie ». Je chasse toute mauvaise entité de ma maison au nom de Jésus. Et quand tu brûles la sauge, je ne brûle pas le tout. Donc, tu allumes ici, ça brûle. Dès que ça, tu as fait toutes les pièces, tu éteins. Hein? Tu prends un peu quelque chose, une lingette ou quelque chose de mouillé, tu déposes dessus, ça va s'éteindre. Donc la sauge, ne brûlez pas la sauge en une fois. Et comprenez bien l'impact de l'odeur sur le spirituel. Il y a des maisons que quand tu arrives, ça sent tellement bon que... Ah. Il y a même des mecs qui vous ont dragué avec leur parfum. Il y a des parfums de killer, des parfums de tueur. Le gars te met le parfum, il sait qu'il va se ramasser au moins 3 gos par journée. Donc, l'odeur est importante dans le spirituel. L'odeur peut te faire te sentir bien, l'odeur peut te faire te sentir mal. Il y a des endroits où tu arrives, ça sent tellement mal. Tu te couches, tu es mal à l'aise. C'est le mauvais esprit qui fait la mauvaise odeur là qui est en train de te toucher. J'aime beaucoup, même moi j'aime l'odeur de la sauge. Parfois, elle sent l'odeur de la sauge comme ça. Je ne boule même pas, elle sent seulement comme ça, ça me plaît. Mm-hmm. Donc, on a aussi le kit attirance. Le kit attirance. Les femmes qui ont des problèmes. Oh, tu es belle, hein? Ça fait 5 ans qu'un homme ne t'a pas dragué. Mamie, c'est pas normal. Même la folle a le dragueur. La folle, quand tu vois, elle marche en route là. Par moi, elle fait l'amour même 5 fois. Bon, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Donc, vous voyez un peu, non? Oui, le Palo Santo aussi bien, mais je ne vends pas ça. Parfois, dans la spiritualité, au lieu de vouloir trop m'embrouiller, je choisis un truc et je fais d'abord. Parce que parfois, quand je donne trop de produits, finalement, la personne ne fait même rien. Il dit que non, j'attends d'avoir l'autre aussi. C'est pour ça que ma devise, je fais d'abord avec ce que j'ai, en attendant d'avoir ce que je veux. Donc, là, c'est le kit attirance, mamie. Mamie, on ne te drague pas. Tu dois même d'abord dire le genre de drague que tu veux. Tu veux quel genre de mec? Le kit attirance va t'aider pour ça. Oui, les folles font l'amour. La folle fait l'amour. Elle ne tue même pas. La folle ne tue pas. Elle ne refuse pas. C'est vous qui sélectionnez. Voilà le kit fondation. Vous voyez le kit fondation, non? Voilà le nom, ça vient avec beaucoup de produits, avec la notice. Voilà la notice. Vous voyez, non? Bonsoir, Mariam. Voilà, ça vient avec plein de produits et la notice est là. Donc, ce kit brise les fondations maléfiques, restaure l'aura, détruit les hôtels maléfiques qui empêchent d'avancer, détruit les cycles répétitifs et ça assure votre renaissance. Si vous avez des blocages, ça vous libère de la jalousie, le mauvais œil, les personnes qui ne veulent pas que vous avanciez. Donc, il y a les produits, c'est là que tu accroches à la maison. Il y a l'autre que tu lèches. Il y a l'autre que tu verses dans la maison. Mariam dit que personne ne la drague. Tu es dans quel pays? Si tu es au Cameroun, ça c'est 70 000. Avec tous les produits qui vont avec dedans. C'est 70 000 francs. Le kit fondation aussi c'est 70 000. Bonsoir. En euros, c'est 230 euros. Maintenant, si vous êtes en Guadeloupe, en Guadeloupe, on va ajouter encore 50 euros parce que de la France, ils vont encore poster. Les colis ne partent pas directement du Cameroun pour la Guadeloupe, Martinique, les territoires de l'île de France, là. Les trucs d'à côté, là. Donc, si vous êtes en France, c'est 230 euros. Si vous êtes aux États-Unis, je pense que c'est en dollars, c'est 280 dollars, je pense. Oui. Au Gabon, nous sommes situés au Gabon à la montée de Louis. Oui.
en face de l'hôtel de lui, la rue de Lodika, la rue de Lodika là, quand tu quittes le Kofina, tu montes, tu passes Lodika, au bout de la rue, tu vas voir mon local, avant de tourner ni à gauche ni à droite, en face de l'hôtel de lui, mon local est là. Donc le numéro du Gabon, c'est le 074 18 00 80. Est-ce que nous autres, on peut prendre le kit attirance? Donc, à ce qui suis-je pour t'empêcher de manger le chocolat, chérie? Hein? Qui suis-je pour t'empêcher de manger le chocolat? Faut prendre ton kit attirance. Je vous prépare d'ailleurs des produits d'attirance terriblement bons. Jacques, mamie, c'est que je dis, il donne. Je dis, il fait. C'est dans le frigo, c'est en préparation. Je dois laisser mijoter un peu. Le kit d'attirance au Gabon, je pense que c'est 100 000 francs ou 110 000. Entre 100 et 110 000. Parce que le Gabon, les prix du Gabon, ce n'est pas les prix du Cameroun. L'usine est au Cameroun. C'est pour ça que les prix du Cameroun sont légèrement moins chers. Voilà. Par contre, on paye pour le poster, pour envoyer là-bas. Et là-bas, il faut payer le local, tout ça là. C'est pour ça que généralement, les prix des autres pays sont un peu plus élevés. Voilà. On livre en France par DHL. États-Unis par DHL. Canada par DHL, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pour briser les fondations maléfiques. Une fois que tu as brisé les fondations négatives sur ta vie, maintenant là tu peux dire que tu veux prendre le kit commerce. Là tu peux dire que tu veux prendre le kit mari de nuit. Là tu dis que tu peux prendre le kit attirance. Tu commences d'abord par le kit fondation. Les fondations maléfiques. Tu les enlèves. Voilà. Elles ont des bracelets comme celui-ci. Ça, c'est collier. Je viens de recevoir mon kit fondation. J'ai besoin de plus d'explications. Linda, il y a une vidéo sur ma page. Écris à l'une de, à celle qui s'occupe de toi. Si c'est Miss Teme, Miss Desboises ou Miss Dionne, tu écris, tu lui demandes, elle va t'envoyer le lien. Mais dans le kit, normalement, tu dois avoir une notice. Donc, les pierres, vous les portez sur le cou. Celles-ci sont en élastique. Vous voyez, ça avait l'élastique. Avant, on en faisait avec des cordes qu'on tire. Mais là, c'est maintenant le nouveau design, ça avait l'élastique. Donc, on a aussi ça qu'elles ont tricoté. Ça, ça va à ras le cou. Bon. Il y a plein de bracelets. Il y a aussi le noir, la couleur noire. La couleur noire. Toujours là. OK. Ça, il n'y a rien dessus. Non, c'est vraiment juste un collier simple. On poste dans tous les pays, s'il vous plaît. La structure au Gabon s'appelle The Gift Digger Academy. Sur la plaque, il y a ma photo. Je suis en blanc. Sur la plaque du Gabon. Tu ne peux pas zapper. Quand les gens voient, ils croient que c'est l'église. Oui. Donc, je vous ai fait un peu... Il y a le sel même percé dont j'ai parlé au début. Sel même percé. Il y a le sel sirène. La crème illumine ma vie. Le donne-moi tout. Le sort de moi. Ça, c'est un peu pour l'exorcisme. L'huile de blindage. Le parfum homme riche. J'aime beaucoup le parfum homme riche. L'ego à qui on ne donne pas l'argent là. Parfum homme riche. L'odeur de ça d'abord, hein, c'est la chimamelu. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas disciplinés dans votre spiritualité. Vous devez vous discipliner dans votre spiritualité. Pour vous faire revenir mon ex qui est parti avec une autre. Non, je ne voudrais même pas. Tu as compris, chérie? Si ton ex est parti avec une autre, non. Il va revenir, il va encore te tromper. Donc, même si je peux, je ne vais pas le faire. Tu as compris, bébé? Pouvez-vous faire revenir mon ex qui est parti avec une autre? Non, chérie. Donne-moi tout. Il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il y a pour 20 000, il y a pour 25 000. En fonction du pays où vous trouvez. Mais ça commence à 10 000 au Cameroun.
Ok. Utilisez vos produits spirituels en fonction de vos bourses. Quand vous écrivez, vous dites que j'ai telle somme. Je fais comment? Je peux avoir quoi? Tu commences d'abord par ça. N'attends pas d'avoir 50 ou 100 000 ou 200 000. Voilà, donc on a terminé. Je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il fallait faire. Voilà. On va se voir dans les autres vidéos, s'il vous plaît. OK? 6 80 71 07 01, c'est ça. C'est ça le numéro.